storia dei Carabins e nella storia del football qui a Montreal. I Carabins sono arrivati alla finalissima, la finalissima oggi che si gioca proprio qui della Vanier Cup contro McMaster University. È proprio un evento speciale, come vedete c'è un ambiente da pazzi qui e noi a Sportivi a 360 gradi su Rete Montreal saremo qui per coprire questo evento unico, ma anche per fare tanti auguri ai nostri Carabins dell'Università di Montreal con tante interviste e molte ho filmato per voi. Potete vedere, siamo prima della partita, proprio al tailgate della questa partita dei Vanier Cup, 50esima edizione, e vedete abbiamo dei reportage durante questo programma molto interessante, abbiamo dei fans dappertutto, c'è della gente che sta mangiando salsicce, che si sta divertendo, e davvero non abbiamo visto spesso una folla del genere qui al stadio McGill qui a Montreal. Messieurs, qu'on venait aujourd'hui à Montréal, 50e édition, les Carabins sont là, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Une victoire des Bleus, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on souhaite pour tous les fans de la première heure, pour les nouveaux fans, pour les joueurs, les anciens, toute l'organisation. Vous, ça fait longtemps que vous êtes fan? Longtemps, mais pas pratiquant. Depuis longtemps, mais là, oui. Oui, oui, oui. C'est sûr, la fièvre semble avoir pogné, hein? Ah oui, exactement, les Bleus, toujours les Bleus, rien que les Bleus. Il y a juste des Bleus aujourd'hui. On dit qu'on va voir le match. On est une gang d'irréductibles. Il y en a beaucoup qui ont travaillé pour arriver là. Il y a des gens qui s'occupent du forum, aller les Bleus. On a beaucoup de personnes qui ont motivé les troupes. Puis on est très heureux aujourd'hui. Puis on va gagner. Nous aussi, on est heureux. Puis on souhaite la meilleure des chances aux Bleus. Allez les Bleus! Force allez à les Bleus! Allez les Bleus! Allez les Bleus! Allora, come potete vedere, non è solo ai picnic italiani che abbiamo la griglia con le salsicce, i hot dog, il pane, il pollo. Ci sono tutti questi fans che sono qui radunati per questo incredibile evento. Questa griglia, non vi mento, fa almeno 6-7 metri di lunghezza. Oggi qui per la Vanier Cup, Carabins, Università di Montréal, penso che la maggior parte sono qui proprio per incoraggiare i nostri Carabins. On est avec des fans des Carabins ici, des très belles perruques. Qui va gagner aujourd'hui? Les Bleus! Allez les Bleus! Allez les Bleus! Allez les Bleus! Pourquoi les Carabins vont gagner aujourd'hui? Ben, parce que c'est la meilleure équipe. Écoute, les Carabins de l'Université de Montréal, ça fait depuis 2004 qu'on suit ça. Ça fait depuis 2004 de regagner. Eux autres, ils reçoivent pas de salaire comme d'autres équipes en passant. Honnêtement, j'échangerais ce moment-là qu'on a rien. J'irais jamais à Pittsburgh, à rien. Moi, c'est ici que je veux être. Ici, supporter les Carabins. Ouais! Oh, Carabins! Malheureusement, je tiens à dire que je suis un peu italien. C'est important de... Oh, oui! Tout le monde a un peu d'italien dans les... Exactement, puis... Alors, moi, je l'ai pas. Alors ici, on a le meilleur exemple de sportivité. On a des gens du Rouge et Or qui viennent supporter les Carabins. Pourquoi? C'est parce que la seule équipe qui a le droit de battre le Rouge et Or, c'est la meilleure équipe du pays. Ça fait que les Carabins sont obligés de gagner. Sans ça, on est déshonorés. Fait qu'on vient les aider. Ça, c'est très beau de voir cet esprit sportif, ça. C'est vraiment l'équipe du Québec. C'est ça. Alors, on se donne la main, on se dit bonne chance. Une prédiction, peut-être? 10 points pour les Carabins. Pourquoi les Carabins méritent de gagner aujourd'hui? Bien, nous, on est des anciens joueurs des Carabins, donc on est venus supporter notre équipe. Évidemment, on est super fiers de voir rendus ce qu'ils sont rendus. Ça va être un match serré, c'est sûr. À la Coupe Vanier, on anticipe ça. Moi, je prédis une victoire des Carabins par un toucher. Mais ça va être un match serré. Il va falloir gagner la position de terrain avant tout. Puis évidemment, les défensifs vont faire le travail. Donc, ça reste à voir pour cet après-midi. Super. On va leur souhaiter la meilleure des chances et on va souhaiter qu'à la fin, ils soient en haut du scoreboard. Bien, évidemment, évidemment. On veut la coupe. Rendu, on veut gagner la coupe. C'est le temps de le faire. Voilà. Merci à vous. J'aimerais saluer Philippe Penché, Émile Charon, Julien Choquette. Bonne chance, les gars. Mais surtout, on va encourager toute l'équipe parce que le foot, c'est un sport d'équipe. On aura besoin de tout le monde, tous les coachs, tout le personnel de soutien pour espérer la première Coupe Vanier. Super, merci. Merci à vous. Mi trovo con Zach, proprio qui alla tailgate party. Et Zach est un joueur de football. Zach, qui va gagner aujourd'hui? Les Carabins. T'es fan des Carabins, toi? Oui. Et tu joues au football aussi? Oui. T'aimes ça? Quelle position que t'aimes? Allié défensif. Allié défensif. Fait que t'es un gars de défense. Oui. Super, ben bon match. Merci.
Je sais pas si tu peux parler durant le make-up, mais je vois que tu es en train de peinturer les couleurs des Carabins. Qui va gagner aujourd'hui? Les Carabins, bien sûr. C'est incroyable de voir une ambiance comme ça. Et pour toi, c'est-tu la première fois que tu assistes à un match comme ça? Oui, tout à fait. J'ai jamais assisté à un match de foot, mais... On vient encourager l'équipe locale. Oui, tout à fait. Go Carabins! Yeah, go Carabins! Della Coppa Vanier abbiamo il piacere di avere con noi una persona che ha molta esperienza in questo tipo di gara perché è stato lì per 4 volte proprio alla Coppa Vanier con il Rouge et Or, il signor Benoît Groulx. Benoît, bienvenue à notre émission et tu as été plus souvent contrairement à la Coupe Vanier avec le Rouge et Or. Parle-nous un peu de comment on se prépare pour ce genre d'événement et évidemment c'est quelque chose de gros. Est-ce qu'on s'habitue à ça? On s'habitue jamais. À chaque fois, c'est des expériences extraordinaires. Tu prépares toute l'année pour ce match-là. Le football, il n'y a pas vraiment de pause à part le mois de décembre. Tu commences à t'entraîner en janvier. Fait que c'est ici, en ce moment, c'est l'aboutissement d'une saison, d'une année complète de travail pour ces joueurs-là. C'est sûr qu'en début de match, il y a toujours un petit peu de nervosité. Les gars sont anxieux. Je pense que ça l'a paru un petit peu au début aujourd'hui. Mais après une coupe de jeux, la nervosité s'en va puis tu retrouves le focus. Effectivement, Benoît, on a vu justement que sur les premiers jeux, les Carabins avaient un petit peu, disons, que les fourmis dans les jambes. Ça bougeait pas autant qu'on voulait. Là, c'est revenu un peu. Toi, en tant que corps arrière, vous avez une pression incroyable parce que c'est vous qui êtes le chef. Vous êtes le chef d'orchestre de cette équipe-là. Est-ce qu'il y a des choses qu'un corps arrière doit se rappeler de faire qui sont vraiment critiques dans un match comme ça? Parce que là, il n'y a plus de place à l'erreur. Il faut rester sous contrôle. Je pense qu'il faut que tu démontres à tous tes coéquipiers que tu es en contrôle du match. Il faut que tu sois le gars le moins stressé sur le terrain. Il faut que tous les joueurs le voient, tu sais. Puis il faut que tu prennes tes gars et tes leads jusqu'au bout. Je pense vraiment que c'est une position qui est clé, surtout dans un match comme ça. La position de carrière, c'est difficile. Mais ça reste que je pense que les deux qu'on a présentement font du bon boulot. Se sont pratiqués fort pendant toute la semaine. C'est les équipes qui se sont pas vues, c'est les équipes qu'on connaît moins, les nouveaux joueurs. Fait que c'est sûr que je pense que les ajustements à la mi-temps dans un match comme ça de la Coupe Vanier, un adversaire que tu n'as pas joué de l'année, vont être cruciaux. On va voir comment que les deux équipes vont sortir en deuxième demi. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas facile à deviner, justement, parce que tu as un adversaire que tu n'as pas joué durant toute l'année. Donc, évidemment, vous regardez des vidéos, des matchs et tout ça. Maintenant, toi aussi, en tant qu'entraîneur, avec une équipe au niveau collégial, vous regardez aussi comment ça se passe, tout ça, les vidéos, et essayer de comprendre tous les jeux. Le corps arrière, évidemment, il doit savoir beaucoup de jeux d'avance et être bien préparé pour ça. Effectivement, on essaie de décortiquer le plus de statistiques possible, voir leurs tendances, essayer de savoir quel jeu qu'ils vont faire en avance. Mais tu reçois juste 3 vidéos de l'autre équipe. Le plus gros ajustement, c'est les joueurs. C'est beau voir les joueurs sur la vidéo. C'est difficile de savoir s'ils sont vraiment forts, s'ils sont vraiment rapides. C'est plus ça qui est difficile puis que les ajustements ont à se faire durant la rencontre. Oui, les schémas de jeu sont similaires à ce qu'on a vu en film, mais la rapidité et la qualité des joueurs, c'est vraiment sur le terrain que tu t'en aperçois. Toi, Benoît, avec M. Constantin, le Rouge et Or, tu as eu énormément de succès avec cette équipe-là. Et en regardant les Carabins aller cette année, certainement tu as eu la chance de les suivre un peu, surtout peut-être vers la fin de la saison, mais je sais que tu es un passionné aussi. À quoi tu attribues le fait qu'ils sont arrivés jusqu'où ils sont arrivés? Parce que les matchs contre le Rouge et Or, ils étaient très serrés. Mais là, on peut voir qu'il y a de l'étoffe de, probablement, on le dira pas là encore, là, champion, mais... Je pense que c'est un travail d'équipe. Je pense que c'est plus qu'un élément. En commençant par le corps arrière, je pense que Gabriel Cousineau, une excellente saison, 71% de passes complétées. Dans le corps arrière, il tourne pas beaucoup le ballon, il lance pas beaucoup d'interceptions. Déjà là, ça l'aide beaucoup, il complète beaucoup de ses passes. Les Carabins lancent beaucoup plus le ballon cette année qu'ils ont fait dans les années précédentes. Je pense que ça les a aidés beaucoup. C'est certain que le personnel d'entraîneur a fait un gros boulot aussi. Danny Machocha, c'est un gars d'expérience. Je pense que ça l'a démontré cette année. Leur défensive joue du gros football. Je pense que sur leur front défensif, sont excellents par la longue course qui vient tout juste d'arriver. Ils n'en ont pas donné beaucoup cette année. C'est une équipe qui a un front exceptionnel.
Puis il faut lancer le ballon pour battre les Carabins. Pour l'instant, je pense que McMaster font quand même très bien depuis le début de la rencontre. Et Benoît Gros, merci beaucoup pour ces commentaires et on souhaite encore beaucoup, beaucoup de chance avec les prochaines équipes que tu vas coacher. Merci beaucoup. Torna Sportivi a 360 gradi, abbiamo avuto il piacere di parlare con uno dei due fratelli, Benoît Gros, e adesso parlo con l'altro, il signor Stéphane Gros. Stéphane, bienvenue à notre émission. Merci, ça fait plaisir. Stéphane, tu as été un des membres originaux, si on veut, du programme de football des Carabins ici à Montréal. Ça a évolué depuis beaucoup, beaucoup. Et évidemment, on est à la finale de la Coupe Vanier, donc ça ne pouvait pas aller mieux. Parlons un peu de tes débuts avec cette équipe-là. Bien, c'est sûr que premièrement, c'est toujours le fun de voir l'arrivée enfin à la Coupe Vanier des Carabins. Puis en faisant partie du premier programme, je vous dirais qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles. On a quand même eu des bons succès. Un fait étonnant, c'est que la dernière fois que le Rouge et Or s'est fait battre à Québec, c'était à ma troisième année dans les débuts. Puis là, on revit le moment cette année et en espérant qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout, là. Donc, vraiment, ton cœur est bleu aujourd'hui. Il l'a toujours été, probablement, étant donné que tu étais avec les Carabins. Tu as commencé avec eux en 2004. Et tu arrivais de quoi comme formation au football? Bien, dans le fond, moi, j'ai joué au football depuis que je suis tout petit avec mon frère. Donc, on a grandi dans les grandes ligues, dans les petites ligues. On a, contribué à faire grandir le football au Québec. Et puis, au cégep à Montmorency. Puis ensuite de ça, à l'arrivée des Carabins. Dans le fond, j'ai commencé le programme à Montmorency. J'ai commencé le programme aux Carabins. Fait que c'est le fun d'avoir deux programmes de football qui évoluent avec ça. Qui évoluent beaucoup et qui ont pris leur envol. Là, ils sont bien en place en plus. Surtout rendu ici, la finale, Coupe Vanier. Qu'est-ce que tu penses que ça prend pour arriver jusque-là? Parce que toi, tu as vécu les quatre premières années. Quelle était l'évolution de l'équipe à l'époque? Je te dirais que la grosse différence, selon moi, c'est l'évolution du coaching puis de l'organisation. Quand je suis arrivé dans les Carabins au début, disons qu'on voyait que c'était un début. Le football n'était pas encore à son meilleur au Québec, peut-être à part pour le Rouge et Or. Ce qui fait en sorte que, graduellement, on a vu de plus en plus d'équipes collégiales qui sont arrivées, de plus en plus de joueurs qui se sont mis à jouer au football, des coachs de plus en plus connaissants, qui fait que sur une période de 10 ans, bien, enfin, on arrive à la Coupe Vanier. On arrive à la 10e année et on voit qu'est-ce que ça donne comme résultat. Ça a porté fruit. Il y a aussi quelqu'un de très important dans tout ça, c'est Manon Simard, qui était une athlète d'excellence au niveau olympique et qui, elle aussi, a implanté sa philosophie pour justement donner les moyens aux gens comme toi et ceux qui sont venus avant toi pour arriver jusqu'ici. Oui, justement, tu parles de Manon. J'étais avec elle au banquet de la Coupe Vanier jeudi soir. Manon, c'est une personne incroyable. Elle est vraiment impliquée. Elle met son cœur dans qu'est-ce qu'elle fait. Puis je peux vous dire que c'est une des personnes qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le programme des Carabins est où ce qu'il est. Et Stéphane Gros, aujourd'hui, est-ce que tu joues encore au football? Je joue pour le plaisir. Disons qu'à rendu un certain âge, les blessures commencent à te rattraper, mais non, toujours au touch football avec mon frère, on s'amuse puis on se garde en forme. Mais on préfère être partisan pour des matchs comme aujourd'hui. Merci, Stéphane Gros. Ça fait plaisir. Come potete sentire, il rombo della folla qui è incredibile. Un stadio riempito a capacità. Manca appena poco di un minuto alla fine di questo primo tempo. Ci sono quattro quarti, però il secondo quarto è quasi finito e come vedete c'è un ambiente abbastanza speciale perché tutti sono qui per incoraggiare i Carabins dell'Università di Montreal con Dani Macioccia, allenatore en chef. Mi trovo qui con un giocatore di baseball, però amatore di football, un appassionato e anche uno con un grande contratto con i Toronto Blue Jays, Russell Martin. Russell, welcome to Montreal. This is a great event, Vanier Cup. What's your impression so far? Oh, it's fun. There's a lot of people here. It's a great energy in the crowd. Good game. You a football fan? Yeah, I mean, I like all kinds of sports, but my dad played football when he was younger, and you know, we've always watched football, you know, kind of like a father-son type thing. So
It's always fun to watch football, especially at this level. People are really get into it. Yeah, and it's quite intense. University level, obviously, these guys are playing with their heart out. It's a tight game. Who knows what can happen in the second half? You obviously have a nice future in front of you with the Toronto Blue Jays. What made you decide to go to the Blue Jays? I mean, there's a lot of reasons. One, obviously, it's a great contract. There's no question about that. But the fact that my family's going to be able to go watch the games, it's going to be easy for travel for them. You know, I grew up in Montreal for the most part. I was born in Toronto. So it's like a coming home type thing for me. You know, I just at this, you know, time in my career, it just felt like it was the right decision. After the decision was made, it just there was a good feeling inside. You know, like I made the right decision. I feel like people are going to be supportive of me. I feel like Montreal and just the city are not, or just like the region of Quebec might bring back baseball in a good way. So there's a lot of that was a bit where I was going with my next question is because obviously we're trying to bring baseball back here in Montreal. The Expos had quite a bit of success. Obviously the last few years were a bit difficult, but do you believe that there's a baseball passion crowd here that it can come back? I think there's definitely passion. I think there's hope for it. Making it happen is going to be, you know, it's a big challenge. It's easier said than done. It's going to be a huge challenge. But it'll be, you know, it'll be fun to see, you know, in my tenure with the Blue Jays, see if baseball, you know, just the popularity, if it picks up a little bit. We're going to see in April when I come in and play with the Blue Jays on the 3rd and 4th. You know, we're going to see, you know, how much people love baseball. We're going to find out. So. Well, it was sold out last year, so obviously this year I'm sure it's going to be even more. And with you there, for sure it's going to be sold out. I hope so. So who are you rooting for today? Today, I mean, I grew up in Montreal, so I got to go for the Carabins. You know, they got only 10 points away. Anything can happen. A couple of touchdowns, couple plays on defense. But the other team is strong or tough defensively. You know, they're playing a good game. Russell, thank you so much. All the best. All right, thanks for having me. Ecco, allora avete sentito Russell Martin con i Blue Jays qui a Sportivi a 360 gradi. Allora mi trovo con Cosmo Maciocia, il padre di Danny Maciocia. Cosmo, la partita, questo primo tempo è finito, 13-3 per McMaster, però non è la fine del mondo. No, assolutamente. Io penso che c'è ancora la possibilità concreta di recuperare, probabilmente quello che vedremo, lo speriamo almeno. Lo speriamo. Hai avuto occasione di parlare con Dani questa settimana? Sì, ho parlato con Dani anche stamattina. Ieri sera siamo stati un po' insieme, quindi sta calmo, sta bene, sta veramente... È fiducioso, quindi sa che evidentemente ha una buona squadra, ma allo stesso tempo sa che anche è una bella sfida. Esattamente, non bisogna dimenticare che McMaster in 4 anni, sono 3 anni che fa la finale, quindi hanno un po' di esperienza di più della nostra, però i giocatori so che sono abbastanza confidenti e quindi sono convinto che nella seconda metà dovrebbero venire fuori. C'è forse un po' di nervosismo, visto che evidentemente è la prima volta che sono qui alla Vanier Cup. All'inizio è normale perché è la prima volta che loro partecipano alla Vanier Cup, quindi a un certo momento penso che adesso quel timore è passato e dovrebbero rivenire forti nella seconda. E come ambiente non si poteva domandare meglio, perché vedo, si guarda attorno a noi, c'è proprio un ambiente da pazzi. Assolutamente, ci sono circa 23.000 persone, quindi l'ambiente è veramente magnifico, caldo e non si poteva domandare meglio. E penso che la maggior parte tifano il blu. Vabbè, diciamo il 95%. Grazie Cosmo. Grazie a lei. Sportivi a 360 gradi, siamo qui alla Coppa Vanier 50esima edizione e una persona che è una, se vogliamo, una persona molto importante per questo Carabin di Université de Montréal a livello football, la signora Manon Simard. Manon, bienvenue à notre émission et parle-nous un peu de du fait que bon, là vous êtes arrivé au test ultime à la Coupe Vanier ici. C'est un travail colossal, mais on voit que peu à peu, année par année, il y a des échelons qui sont gravis et on arrive vraiment au sommet de la pyramide, surtout avec un match comme celui d'aujourd'hui. On est à la Coupe Vanier, 50e édition. On a les Carabins ici qui ont battu quand même le Rouge et Or pour se rendre ici.
c'est une grande fierté, certainement, de ta part aussi, parce que venant d'un milieu olympique, tu sais qu'est-ce que ça prend pour arriver justement à ces niveaux-là. Oui, je pense que oui. On est excessivement fiers parce que je pense que la grande victoire de la démarche, c'est la victoire, je dirais, de la famille Carabin, la communauté de l'Université de Montréal. Et j'ai l'impression que Montréal vient d'adopter son équipe là, aujourd'hui avec un événement comme ça. Et ça, bien, c'est la plus grande victoire parce que l'Université de Montréal forme 25 % des diplômés au Québec. C'est une grande institution. On a besoin des gens pour supporter cette institution-là. Je pense que le programme de sport maintenant il se rapproche du niveau de ce que représente sur le plan académique l'université. Et je pense que l'objectif, c'est d'offrir à nos étudiants athlètes le meilleur endroit pour poursuivre les deux volets de leur développement. Et ça, bien, on en est très fiers. Je pense qu'on s'en approche, mais c'est jamais fini. C'est jamais fini. Et justement, pour ces gens-là que vous mentionnez, c'est pas juste des athlètes, c'est des étudiants athlètes. Ils ont un double volet, donc excellence aux études, excellence aussi dans le sport. Est-ce qu'il y a une façon particulière de les encadrer? Écoutez, je pense qu'il y a un message qui est répété continuellement. C'est effectivement des étudiants athlètes. C'est d'abord de pouvoir diplômer l'université, de pouvoir contribuer à la société de demain parce que le rôle qu'on a, toutes les universités du Québec et du Canada, évidemment, c'est de former nos leaders, puis on en a besoin. Et c'est des cerveaux, il faut investir dedans, c'est important. Le sport complète tout ça, amène ça à un autre niveau. Puis je pense que c'est le travail de tellement de gens pour arriver à faire ça. On peut pas y arriver tout seul. Et l'autre chose que je dirais, c'est que ces étudiants-là, aujourd'hui, on vit un événement, mais ces jeunes-là sont à l'école lundi matin. Qui gagnent, qui perdent, ça se poursuit, puis ils font tout un travail pour le faire. On en est bien fiers. Effectivement. Manon Simard, les sentiments qu'on a dans un match comme ça et d'arriver à ce moment-ci? Bien, je vous dirais que... moi, c'est tellement entre leurs mains à ce moment-ci. On leur souhaite de vivre les plus belles émotions de leur carrière. Puis maintenant, je pense que qu'ils soient là, ils ont déjà gagné. Ils ont gagné quelque chose, ils gagnent en expérience de vie. Fait que peu importe le succès d'aujourd'hui, ils ont déjà gagné. Maintenant qu'ils ramassent le bonus, je serais tellement fière pour eux autres. Merci beaucoup pour ce commentaire et évidemment, on dit bonne chance. Merci beaucoup, fait plaisir. Allora, i Carabins dell'Università di Montréal hanno segnato e il punteggio adesso, vedete, 13 a 10. È una davvero felicità nel campo dei Carabins perché vediamo come tutti sono esultati di questo bel revirement, se vogliamo, perché è la difensiva che ha provocato un errore a livello di McMaster e poi ne hanno approfittato per fare questo touché dei Carabins dell'Università di Montréal. Allora, vediamo adesso l'intensità salendo di un bel po' perché su questo campo vediamo che c'è McMaster adesso che ha appena ricevuto il pallone, ma i Carabins che stanno mettendo molta pressione, vediamo come tutti si difendono tantissimo, è molto forte con tanto vigore, speriamo bene per i Carabins. Universitario, Dani Macioccia che è contentissimo con suo papà, eccolo qui, sono riusciti a fare qualcosa di meraviglioso con questa squadra, Dani Macioccia che 4 anni fa è venuto qui a ricostruire questa squadra dei Carabins e vediamo che la folla sta diventando pazza. Manca poco, ecco, vittoria di Carabins dell'Université de Montréal. Un momento unico,
nella storia dei Carabin, Dani Maciocia, che ha avuto il bagno del Gatorade, contentissimo, non può avere più bella soddisfazione che questa. Dani Maciocia, stanno piangendo di gioia, queste sono lacrime di gioia, di felicità, e i Carabin dell'Università di Montréal hanno riuscito ad a compiere qualcosa di meraviglioso. Sono davvero contenti e fieri di aver riuscito questa vittoria contro McMaster University. Maciocia tutta riunita, contenti, salutano i fans, salutano tutti qui che sono qui con loro, questa grande grande famiglia. Spesso hanno parlato durante la stagione del fatto che dovevano essere una famiglia, dovevano essere tutti assieme per fare questo grande compimento che è la vittoria per questa squadra. Qui vediamo altri membri della famiglia Maciocia e verranno giù. Eccoli qua. Qui vediamo Dani che sta congratulando i suoi giocatori, gli allenatori, i fisioterapeuti, tutti quelli che hanno contribuito a questa grande vittoria. L'ha detto alle comunicazioni Benoît Mongeon, che spesso ci ha aiutato attraverso queste partite. Allora Dani che sta andando verso il centro del terreno per cogliere il trofeo massimo. Come here. Monsieur Cadet, on peut pas dire qu'on est fier, on est extra fier. Les Carabins de l'Université de Montréal à ce 50e anniversaire du Vanier Cup. Ah oui, votre université en passant. Ben oui. Vos impressions? Écoute, ils nous ont tenus en haleine du début à la fin. Écoute, hein, Yogi Berra avait raison, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Mais je veux dire... Qu'est-ce qu'on peut dire? Écoute, jusqu'à la toute fin, hein, c'était 19-17, 3 points à la toute fin. On n'a pas lâché, ils sont allés all the way. On gagne les championnats par la défensive. On a vu qu'on a tenu le fort contre Manitoba. Même affaire ce soir, là. Écoute, encore une fois... bloquer un botté. T'as vu la détermination. Écoute, c'est fusionnel, cette équipe-là. C'est extraordinaire. Bravo à Danny et à toute son équipe. Oui, exactement. Et est-ce que la ville de Montréal va souligner ça de façon particulière aussi? C'est sûr. En plus, c'est mon université. Merci. Vedete dietro a me, questo è il trofeo che questi ragazzi, questi giovani universitari hanno lavorato tutto l'anno per avere. E proprio oggi, qui al Stadio McGill, nel 50° anniversario del Vanier Cup, i Carabin dell'Università di Montréal, sotto la direzione di Dani Maciocia e tutti i suoi allenatori, sono riusciti a fare quello che non avevano fatto ancora. Per la prima volta vincono la Vanier Cup. Speriamo che non si deve aspettare ancora così tanto, ma penso che questa è una squadra che è partita per il bene e sicuramente l'anno prossimo sarà una squadra da stare attenti e da battere. Cosmo, in poche parole, cosa si deve dire? Avevamo detto, penso prima, che c'era la possibilità che nel secondo tempo sarebbero riusciti più forte. Sono riusciti abbastanza forte, e quindi però è stata una partita fino all'ultimo secondo. E Dani diceva spesso che è un affare di famiglia. Abbiamo visto che non solo c'è la famiglia dei Carabin, ma c'è tutta la vostra famiglia. Ah sì, eravamo tutti lì, eravamo dietro di lui, eravamo dietro i Carabin.
Una vittoria così è qualcosa di spettacolare. Diciamo. Spettacolare, eccellente, bravissimi, dobbiamo dire solo congratulazioni, bravi. Grazie, grazie, ed è una fierta, come si dice, per tutti noi, non solamente per i montrealesi, ma anche per gli italiani. Anche, esatto, anche per gli italiani. Per gli italiani, bravo, ben detto, grazie Cosmo. Le gars qui font un selfie, les gars, c'était tout un match jusqu'à la fin. Comment ça? Vraiment, c'est une belle victoire. Encore plus belle grâce à la fin. On s'en rappellera. Parce que le suspense a duré jusqu'à la fin. La volonté a payé. On est là, là, on est là! Il n'y a pas de mots pour décrire ça, c'est simplement incroyable. On y a juste cru jusqu'à la fin, ça a été ça à chaque game des playoffs. On s'est rendu là, là. Un point, c'est tout ce que ça prenait pour gagner, on l'a fait. Exactement, c'est tout ce que ça prenait. Montréal en top, numéro 1. Numéro 1 au pays. Let's go. Let's go. Merci, les gars. Merci. Allora, il presidente del sport universitario canadese che adesso farà la presentazione della Coppa Vanier, che oggi celebra non solo i suoi 50 anni, però la prima volta che i Carabin dell'Università di Montreal, con Danny Macioccia come allenatore, sollevano questa Coppa al cielo, perché hanno le stelle con loro in questa giornata, in questa occasione incredibile, proprio qui a Montreal, allo Stadio McGill, vincere questa Coppa in modo anche come l'hanno vinta, perché hanno vinto per un piccolo punto, 20-19, con poco tempo che rimaneva, con un kick, un piazzamento bloccato. Vediamo Dani Macioccia quanto contento che è. E con il Merco Der, il sindaco di Montreal, anche lui fiero, perché anche lui viene dall'Università di Montreal. E vediamo i giocatori vicino al scoreboard che proprio stanno sollevando e toccando questa coppa meravigliosa, che è quella della Coppa Vanier. Per tanti anni il Rouge Or dell'Università di Quebec è riuscito a vincerla, invece quest'anno rimane nel Quebec, però nelle mani dei Carabins dell'Università di Montreal. Proprio d'occasione la canzone di Queen, We Are The Champions, con tutti i giocatori che toccano e hanno gioia a toccare questa coppa, la Coppa Vanier, che quest'anno 2014 è qui a Montreal per l'Université de Montréal con i Carabins, che sono riusciti tutto sommato a tornare indietro, perché al primo tempo perdevano 13-3 e adesso invece sono tornati a vincere 20-19. Vedete la fierezza e la gioia che c'è tra questi ragazzi, che non solo sono giocatori di football, ma dobbiamo non dimenticarlo, sono anche studenti dell'Université de Montréal. Mathieu, tu as cru jusqu'à la fin à tout ce que vous pouviez faire, vous n'avez jamais lâché. Mathieu, d'avoir bloqué ce tir-là, est-ce que tu avais visionné ça avant que ça arrive? Écoute, pas visionné, écoute, je me suis placé. Est-ce que tu visualisais? Non, oui, c'est sûr. On y croyait, là, tu sais, toute l'année, on savait qu'avec tous les gros gars qu'on a en dedans, là, écoute, toutes les... À troisième et une, t'sais, moins qu'une verge de faire ça, en plus, ça empêche les trois points, vous récupérez le ballon, il reste moins d'une minute, c'est incroyable. Écoute, oui, c'est incroyable, mais regarde, c'est toute l'équipe qui a poussé toute l'année. T'sais, tout a commencé dans l'off-season, puis on a commencé à s'entraîner ensemble, puis regarde, tous nos efforts ont été récompensés aujourd'hui. Là. Et les coachs ont fait un travail extraordinaire avec vous autres durant toute l'année. Qu'est-ce que vous avez à dire à Danny Macioccia et son staff? Écoute, avant de partir, je voulais la soulever avec lui, puis on l'a fait. Bravo, merci. Danny Desriveaux, belle casquette, champion CIS, champion de la Coupe Vanier 2014, 50e édition de la Coupe Vanier, et vous autres, finalement, c'est arrivé. Quels sont les sentiments? Ça vaut la peine. Tous les efforts qu'on met, tous les sacrifices qu'on fait, on réalise pourquoi on le fait. Puis là, on sent qu'on serait prêt à le faire à chaque année, si c'est ça que ça donne à la fin. C'est tellement beau de voir les sourires que vous avez tous, de cette satisfaction que vous avez d'avoir accompli quelque chose d'assez incroyable. Parce qu'à la mi-temps, 13-3, c'est sûr que vous croyez toujours en vos moyens. Et là, avec quelques secondes à faire, on bloque un 3 points et on récupère le ballon en plus. Jeu doublement critique. Mais je dirais que cette équipe-là n'a jamais accepté d'abandonner. À peu importe à quel point dans l'année, peu importe quel point dans un match, ils n'ont jamais abandonné. Ils ont toujours cru qu'on allait gagner, trouver un moyen de faire en sorte qu'on gagne un match. Puis ces gars-là, ils ont cru. Puis quand on dit la pensée crée, là, c'est vrai.
Mais ils ont cru parce qu'il y a quelqu'un qui leur a mis la puce dans l'oreille pour croire, n'est-ce pas? Mais c'est un travail d'équipe. Si nous, on y croit, eux, ils vont y croire. Si eux, ils y croivent, nous aussi, on va y croire. C'est un travail d'équipe. Les 20 000 spectateurs, ils croyaient aussi. Puis c'est pour ça qu'on a la récompense qu'on a maintenant. Bravo et félicitations. Merci beaucoup. Gabriel, ce l'abbiamo fatta. It's done. Another thing down. What's the feeling like? It's hard to say. So happy right now. So happy. We got a great family behind us. We believed all year and we finally made it. It wasn't an easy game, obviously. They had a great defense. They seemed to really keep you guys thinking about what you had to do every time. Yeah. How difficult was it out there? You know, all the credit goes to them. They stopped us big time in the first half. We had a really slow start, but hey, at halftime we adjusted and worked out pretty well. Was there a bit of nervousness in the first half? No, you know, they weren't doing anything in particular. We just didn't make the plays when it was time. But at the end of the game, we came up big. And then that last play on a field goal try, you blocked it. What was your feeling on the sidelines? I wasn't even watching. You know, I was so stressed. Once again, we made it. Special teams make the difference, and it's true. It's true, and you really came through. What's the feeling like now? It's hard to say. You know, we could finally celebrate. I've been dreaming of this moment since I'm a little kid, so it seems like it's a movie right now. A dream come true, that's for sure. Fantastic. Congratulations. You guys deserve it. Grazie mille. Prego, prego. Mi trovo con Jacques Dussault. Jacques Dussault, une légende dans le monde du football ici à Montréal. On est très, très fiers aujourd'hui parce que les Carabins de Montréal ont réussi quelque chose d'assez extraordinaire. Comment on sent dans votre peau un homme de football qui a quand même eu un gros input dans cette équipe-là? Ben, premièrement, là, je veux corriger une chose, je ne suis pas une légende. Monsieur Collère, c'est une légende. Deuxièmement, le mot fierté, pour moi, ça ne s'attribue pas. Parce que fierté, pour moi, c'est un pas. C'est tellement, mais tellement plus profond que ça. Ça vient me chercher ici. En plus, avec l'équipe de cette année, il y a bien des gens avec qui j'ai coaché. Danny, ça fait des années qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Il y a des jeunes que j'ai coachés l'année où j'ai coaché au Vieux-Montréal. Tous les efforts qui ont été faits pour mettre le programme sur pied avec Manon Simard, Paul Kirvicky et Benoît Mongeon. Bonjour, je veux dire, c'est un accomplissement non seulement des gars qui travaillent sur le terrain, mais aussi de tous ceux qui sont autour et qui aident à préparer tout ça. Bien, c'est certain que si tu n'as pas de structure, tu n'as pas d'encadrement, tu peux pas aller te battre. C'est quelqu'un qui va à la guerre avec un slingshot contre quelqu'un qui a la bazooka, ça dure, la guerre est courte. Hein? Exactement. Et au niveau universitaire, là, on peut dire mission accomplie, parce que là, il n'y a pas juste le Rouge et Or au Québec, il y a aussi l'Université de Montréal avec les Carabins. Bien là, ça, aujourd'hui, ça prouve que l'équipe des Carabins, c'est une équipe qui est bien dirigée, qui a de bons joueurs. C'est une option qui est très, très sérieuse pour tous les jeunes footballeurs à travers le Canada, au niveau académique, parce qu'on a une institution incroyable, que ce soit les Polytechniques, HEC ou l'Université de Montréal, et au niveau football. Merci, Jacques Dussault. Ça m'a fait plaisir, monsieur. Denis Boisclair, entraîneur des batteurs. Aujourd'hui, ça a été critique parce que vous n'avez scoré quelques-uns au niveau des bottés, mais eux, ils en ont manqué un. Ça doit être dur pour l'autre équipe, évidemment, qu'on voit ça, mais on se pratique pour faire ce genre de jeu. Bien, c'est sûr que c'est toujours un batteur, c'est toujours été en fonction de la pression. Comment tu réagis à ça? C'est dur à voir qu'est-ce qui s'est passé avec le dernier botté. Il n'y a pas un joueur qui peut dire qui l'a bloqué ou pas. On va voir ça à la télé. Exactement. Et votre sentiment aujourd'hui, évidemment, une grande fierté, une grande, grande, grande joie certainement, parce que là, c'est l'accomplissement d'une saison incroyable. J'avais hâte que ça arrive, puis ça fut trois parties absolument... sorties d'un film, là, on pourrait faire... une série avec ça. Mais en tout cas, je suis content. Les batteurs ont été capables de faire leur marque à travers ces quatre parties-là. Je suis content pour eux. Surtout la recrue de Philippe Simoneau qui finit encore avec le voté gagnant. Donc, très important. Il avait un pied d'or, comme on veut dire, à ce stade-ci. Surtout qu'à cette distance-là, c'est comme... l'attention, c'est très dur parce que... pour rater ça, c'est très crucifié. Donc, en tant qu'ancien batteur, c'est sûr que ça devient...
La pression est immense. Il ne faut pas que tu deviennes tendu. Il faut que tu t'occupes de ta respiration. Il y a des choses que tu fais que ça va être comme un rien. Ben, c'est parce que tu n'es pas là pour le faire à sa place. Exactement. Ben, c'est grâce à vous et grâce à toute l'équipe. Et on vous félicite parce que c'est vraiment extraordinaire qu'est-ce que l'équipe a accompli cette année. Bien, c'est une équipe... des entraîneurs, j'ai trouvé des entraîneurs ont fait des choses extraordinaires. Les jeunes ont apporté leur marque, chacun des individus avait quelque chose à apporter à l'équipe. Puis je pense que ça aurait été une tragédie pas l'avoir parce que c'était trop fantastique de les voir aller. Les gens sont fiers, ils sont contents. Bravo. Merci beaucoup. Dani Maciocia, fammi darti la mano. Congratulazioni, Dani. Deve essere una cosa davvero speciale riuscire a portare questa squadra qui a vincere per la prima volta la Vanier Cup con l'Université de Montréal, proprio dei Carabins, qui davanti ai tuoi. Parlami un attimino innanzitutto del tuo sentimento. Ma è chiaro che è una giornata speciale di vincere il campionato a Montreal davanti a 22-23 mila spettatori, con la famiglia, amici qui. Non è una cosa che capita spesso ogni anno, allora è un momento, come ripeto, speciale per me, mia famiglia e per l'Università di Montreal, perché è un'università che durante gli ultimi 12-13 anni ha lavorato con i valori imposto per arrivare a questo momento qui. Ha lavorato con dei valori che spesso tu menzioni, valori della famiglia, che siete tutti come una grande famiglia, quindi vuol dire che tutti c'è un grande rispetto sia tra gli allenatori e i giocatori e sia proprio tra i giocatori e tra gli allenatori. Questo è qualcosa che voi state inculcando, se vogliamo, a tutti i giocatori. Esattamente, questo era il discorso che io ho fatto 4 anni fa quando ho preso il posto come capo allenatore qui. Allora, ma alla fine della giornata hai bisogno di gente che ci crede, e giustamente oggi che sia l'università, che sia l'amministrazione, ho trovato gente che ci credono e loro fanno parte di questa vittoria, perché senza loro è chiaro che non ci arriviamo neanche esattamente. Dani, è stata una partita sofferta, perché sentiamo i fans che sono ancora molto contenti. È stata una partita sofferta. Il primo tempo 13-3, eravate a 10 punti indietro, poi subito è arrivato quel ricovero di un fumble, 13-10, quindi si cominciava a credere ancora di più. C'è una cosa di questa squadra che devi dire, che non lascia mai. No, non lascia mai, credono fino in fondo. Allora, non è una squadra che, anche se subisce durante un periodo di tempo, la realtà è che abbiamo subito durante 58 minuti e non hanno smesso, e ci hanno creduto fino alla fine, e quella è la ragione principale di questa vittoria oggi. Di vincere in questo suspense così proprio all'ultimo secondo con un field goal bloccato, questa è una cosa che sembra quasi da film. Sì, esattamente, Portasso merita di avere un film un giorno, vediamo, ma no, ascolta, ripeto, un momento speciale, è un momento che non dimentica mai, esattamente. Esatto, perché c'è la Grey Cup che sai, hai già assaporito, questo è un altro che aggiungi alle tue medaglie, alle tue coppe. Vedo che sei qui con la famiglia. Ci puoi presentare a questa bella famiglia? Mia figlia, come ti chiami tu? Alessia. Quanti anni hai? Alessia, quanti anni hai? Sei anni. E chi abbiamo qui? Giuliana, how old are you, Giuliana? 10 years old. And? Daniela, quanti anni hai? 10 years old. Che bella famiglia. Vedo che c'è proprio tutte contente. Siete contente del papà? Sì. bravi. Grazie. Roger Brulotte, grand amateur de baseball, mais je vois aussi que le football est parmi les autres sports que tu aimes, Roger. Le sentiment d'une journée comme ça, c'est incroyable. L'appartenance à la ville de Montréal. En 2002, j'étais là avec Jacques Dussault. J'ai même annoncé un match des Carabins à domicile. Et d'être ici aujourd'hui, de voir où ils sont rendus, c'est tellement bon pour la ville de Montréal et pour la province. Lorsque tu gagnes ici un championnat, c'est le fun. Mais pour l'Université de Montréal, c'est incroyable.
Exactement. Et chapeau à l'Université de Montréal parce qu'ils ont des stuck with it, comme on dit. Ils sont restés avec le programme. C'est un programme d'élite sportive. Ils ont mis en place les entraîneurs qui étaient nécessaires pour arriver à leur but. Et finalement, ça aboutit à la Coupe Vanier. Tu sais, quand tu regardes ça, Jacques Dussault, quand il a commencé il y a plusieurs années, oui. Puis on est rendu aujourd'hui avec Danny. Tu sais, Danny, c'est le premier entraîneur de l'histoire au Canada à gagner une Coupe Grey et la Coupe Vanier. Il faut le faire. Alors, moi, je trouve que c'est formidable, mais toujours l'impact universitaire, c'est ça qui est tellement le fun. Monsieur Brulotte, je sais que vous êtes vraiment un fan de baseball. Ça s'en vient-tu? Bon, on travaille fort. On travaille fort pour l'avoir. C'est intéressant ce qui va se passer dans les années qui s'en viennent, mais ça avance. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Si continuano i festeggiamenti qui allo Stadio McGill per questa bellissima vittoria dei Carabins dell'Università di Montréal, la prima nella Coppa Vanier da quando il programma è stato messo in opera, e c'è proprio un sentimento di cose compiute, di cose che finalmente siamo arrivati alla fine. Dani Macioce durante tutta la stagione ha detto che siamo una grande famiglia. Oggi non solo sono stati una grande famiglia, ma c'era anche tutta la famiglia di Dani con anche suo padre Cosmo. Abbiamo visto come c'è questo sentimento incredibile quando uno arriva a vincere la parte la più importante della stagione, che è proprio questo ultimo esame. Sono proprio cose da essere fieri, e quindi dobbiamo semplicemente fare una bella congratulazione a quelli dei Carabins dell'Università di Montréal, perché sono riusciti a fare qualcosa davvero speciale. Vanier, proprio qui allo stadio McGill dove giocano gli Alouettes di Montréal, però oggi c'erano due squadre, McMaster University, che sono arrivati qui quindi alla finale, contro i Carabins dell'Université de Montréal, che anche loro sono arrivati qui battendo il Rouge Or, che spesso hanno vinto la Coppa Vanier. Oggi invece una partita, diciamo, anche sofferta da parte dai Carabins dell'Université de Montréal, perché nel primo tempo e anche per quasi tutta la partita sono stati indietro nel punteggio, e proprio all'ultima sono riusciti a fare un field goal che è riuscito a portare i Carabins dell'Université de Montréal in avanzo di un piccolo punto, 20-19. E poi proprio una scena da film, perché è stato bloccato all'ultimo secondo un field goal tentato dalla McMaster University. Questo permetteva all'Università di Montréal di non solo impedire i tre punti che avrebbe permesso a McMaster di vincere, ma soprattutto di recuperare il pallone e di mantenerlo fino alla fine per vincere per un piccolo punto, 20-19, in questa prima vittoria della Vanier Cup qui a Montreal, davanti ai suoi fans, proprio qui allo Stadio McGill. E noi di Sportivi a 360 gradi su Rete Montreal ve l'abbiamo presentata. Speriamo che vi sia piaciuta e alla prossima.